on va faire un fait comme chez les blancs. La demoiselle qui est là, quand tu me vois, tu fais wow, copine, c'est lui. Le mec qui s'est parlé de lui là, c'est lui. Toi qui es là-bas, tu fais waouh, quelle classe, Yves Saint Laurent. Et moi, je réponds non, Giorgio Armani. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevons sur le plateau d'Henri Pas un peu Josué le Grand. Voilà. Excusez. Allô? Oui, Bakavia. C'est pour poser question? C'est pourquoi? Ouvre un peu ton gosier, s'il te plaît. Non, c'est Taro. Hé, hey, Djula. Elle m'appelle, elle me dit bonsoir Josué. S'il te plaît, comme je viens d'avoir le BPC, je voulais savoir si avec le BPC on peut devenir avocate. Il dit non, c'est Taro, on peut devenir. Oh. Je sais que beaucoup de personnes se posent la question de savoir c'est robe il a porté, c'est garçon, c'est femme ou bien c'est l'autre garçon. Non, c'est garçon. Au fait, nous dans notre quartier, quand tu laves habits, il faut prendre chaise pour surveiller tes habits. Si tu t'en vas dormir, habits là, tu vas voir son jumeau là-bas. Donc il s'est allé dormir, il a oublié. Ils sont venus voler. Donc on va dire, viens, Ribé, viens, ma bénisse, elle a mis ses habits, il est porté avec des invenions. Oh, viens, 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 vous voyez, moi quand j'étais petit, je n'aimais pas aller à l'école. Donc mon petit frère et moi, toujours on est de la chambre. La maman, elle monte. Qu'elle vient, elle dit, mais c'est quoi ce boucan? On est petit, on ne sait pas c'est quoi un boucan. 20 ans plus tard, quand j'ai grandi, je suis allé chercher à savoir c'était quoi un boucan. Elle m'a dit, le boucan, c'est une façon de faire parler de lui. Une autre fois encore, elle rentre dans la chambre. C'est quoi ce maquis? J'ai grandi, je suis allé chercher à savoir c'est quoi un maquis. On dit, le maquis, bon, c'est. Une autre fois, elle rentre dans la chambre. Mais c'est quoi ce bordel? 20 ans plus tard, je suis allé chercher à savoir c'était quoi un bordel. Putain! Mais c'était super! Donc, on ne venait pas venir parler de ça ici. Oh. Quand on était petit, il y a les compétitions inter-école. C'est-à-dire, l'établissement A affronte l'établissement B. On était au CP1, notre grand frère était au CM2. On est allé au CP2, il nous a attendu au CM2. On est allé au CE1, il était au CM2. On est allé au CM1, CM2, jusqu'à on l'a trouvé au CM2 là-bas. Oh, vous savez, les compétitions, on chante. Tu vois, on est tout petit comme ça, puis on chante « C'est nous les petits, c'est nous les petits ». Le gars, il a repris, il doit chanter aussi. C'est le défenseur, il fait « C'est nous les bébés, c'est nous les petits ». Il y a un qui quitte là-bas, il fait « Hey, voilà, si vos mecs jouent là, mon directeur et puis mon mec vont jouer bien, sinon il n'y a pas match ». Oh, et on a fini de calculer les moyennes. Comment annoncer au vieux que ça n'a pas été? Je suis couché, j'ai réfléchi. Il dit « Hey Seigneur, j'ai pas bien travaillé, comment il a fait ?» Le Seigneur ne descend pas pour tes deux, il passe toujours par quelqu'un. La nuit, je dors, je sens qu'il y a quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds. C'est un voleur, il est venu voler notre télé. J'ouvre mes yeux, je dis, tonton, pardon, faut voler mon bulletin aussi. Il me dit, mon fils, vole le bulletin là, il prend, il fait quoi? Mon fils, tu es sans Pedro. Mon gars était à l'école là, 20 en maths, 20 en physique. Il dit, tonton, toute l'école tu as fait quand là, c'est dans le salon de mon père ici, ils t'ont orienté. Pas le bulletin là, t'as parti. Oh. Et puis, à l'école, j'excellais dans une matière, l'anglais. Are you plotting to you? Vous répondez, yes, are you plotting? Are you plotting to you? Yes, are you plotting? Je vous demande si vous êtes prêts. Vous me répondez, oui, nous sommes prêts. Et on devait, en anglais, jusqu'à, le gouvernement de Côte d'Ivoire même a failli m'envoyer à l'université prestigieuse aux États-Unis, là. C'est ce qu'elle a dit, là. Donc, il a failli m'envoyer là-bas. Oh, à l'oral, on te pose une question. Depuis, c'est pas arrivé à mon tour. Donc, j'ai commencé à dormir. Le professeur m'appelle. Il dit, come here, please. Donc, je come here, please. Je viens vers lui. Et il me dit, are you sleeping? Il fait comme s'il n'avait pas entendu. Hein. Donc, il lui répond en anglais de répondre la question. Il dit, Mr. Igodi. Il me dit, are you sleeping? Il dit, monsieur, mon slip là, c'est rouge. C'est rouge. Et puis, mon slip là, à côté là, il y a quelqu'un. Mais monsieur, t'as des fois, comment t'as vu, vous avez qu'il a porté slip dans ma petite soeur? Il me dit, are you sleeping? Oh. Et au lycée, je faisais partie des kanks. C'est pas intéressant, mais on était toujours dans le groupe des méchants. Donc je rentre au lycée, je traverse le seuil de la porte, avec les écouteurs dans mon oreille. L'éducateur au seuil de la porte, il m'appelle, il dit, jeune homme, venez ici. Je fais comme si je n'entends pas, il fait quoi? Animal là, viens ici. Mon nom, papa m'a donné, tu m'appelles animal. Donc je viens vers lui, il était prêt à prendre mon nom. Il me demande c'est quoi? Il dit Agouti. Merci, c'était Josué Legrand. Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM3 pour Josué le Grand. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA.